l'aviation de Saint-Yan, dans le centre de la France, a été choisie par la direction de l'aviation civile pour y créer le Centre national de perfectionnement au pilotage. Le directeur du centre, accomplissant au-dessus de la plaine les figures les plus difficiles, prouve à la fois sa valeur de pilote et la résistance de son SV-4. Outre le pilote, il y a à bord au moins une caméra, mais bien attachée. De former non pas des pilotes acrobatiques, mais des moniteurs rompus à tous les exercices de voltige aérienne et capables de pouvoir se tirer des épreuves les plus difficiles avec une maîtrise parfaite. Le matériel de fabrication belge résiste admirablement aux multiples épreuves par lesquelles sont entraînés les élèves, qu'ils se destinent à l'armée ou à l'aviation civile. Qualités maîtresses exigées des futurs moniteurs sont le sang-froid et des nerfs d'acier. Les élèves qui terminent avec succès les 3 ou 4 semaines de stage à Saint-Yan sont de précieuses recrues pour les différents services dans lesquels ils seront versés.